Kouna-Kokoreko, département de Toumoudi, lundi de Pentecôte. Consternation généralisée, notamment au domicile des BIPRO. La famille reçoit même l'émissaire de l'État, le sous-préfet Dangonda. Pendant ce temps, la diva de la musique tradimoderne en Baoulé est entre sanglots et méditation devant la chapelle ardente. Plus de doute, l'accordéoniste Ngoran Laloi, l'époux et accompagnateur sur scène d'Ala Thérèse, a déposé à Jabin l'accordéon dimanche 20 mai. Il y a une clinique qui suivait le vieux depuis qu'il est tombé malade. Et on attendait le rendez-vous pour repartir à Yamoussoukro pour revoir son état. Mais le rendez-vous n'étant pas encore arrivé, hier il a vraiment chuté. Et on tentait de le ramener à sa clinique à Yamoussoukro. Et c'est en cours de route qu'il a trouvé la mort. Et il était exactement 8h35. Grande perte effectivement pour Ala Thérèse, l'artiste et son instrumentiste époux étaient complémentaires et complices l'un pour l'autre. C'est d'ailleurs le secret de 44 ans de succès de leur duo. Sans la loi donc, fin de carrière musicale pour Thérèse. Je ne peux plus continuer, seul je ne peux plus. Nous faisons une équipe, nous faisons une paire. Sans lui, je ne peux plus continuer à jouer. Certainement aussi, l'accordéon ne retentira plus jamais. La loi n'a pas préparé sa relève. Un refus à dessein ou par ignorance, une chose est sûre, des 9 enfants du défunt, seul prince manipule à peine l'accordéon. Remplacer le vieux dans l'orchestre, ça serait avec beaucoup de courage. Il ne m'a pas montré les secrets, mais je sais faire de moi-même. C'est-à-dire que j'ai confisqué l'un des instruments et ils n'étaient pas tous d'accord, mais étant là-bas, j'ai appris à jouer. À 87 ans, Ngoran Laloi, à l'état civil, Beibro Ngoran, ne laisse aucun enfant à son épouse et complice artistique, Ala Thérèse. Mais leurs œuvres musicales communes, la dizaine en 44 ans de carrière duo, démarrée en 1974 pour s'arrêter avec Bénian Soumoyé, album disponible seulement ce dimanche de Pentecôte 2018.